les mesures qui s'appliquent à nous s'appliquent de la même façon aux animaux. Il faut éviter de faire de l'exercice lors de fortes chaleurs. Donc, il faut mieux sortir l'animal tôt le matin, tard le soir pour ses promenades quotidiennes. Il faut éviter de le solliciter pour des jeux, style lancement de frisbee et autres jets d'objets de ce style. Qu'il soit à l'ombre, qu'il soit dans une température, dans une pièce avec une température fraîche. S'il y a une clim, c'est l'idéal. Et ce qu'il faut absolument éviter à tout prix, c'est de laisser son animal dans un véhicule ou éventuellement de le transporter en voiture, parce que là, les véhicules atteignent des températures très élevées et c'est là où on a des accidents qui sont très graves pour les animaux, en particulier les chiens. Donner des glaçons à un chien ou un chat n'est pas une très bonne chose parce que ça va entraîner des troubles digestifs relativement importante du fait du choc thermique que cela va créer. Sans compter que certains animaux, en particulier sur des animaux âgés, de croquer les glaçons peut entraîner des problèmes au niveau des dents. Mais ce qui est certain, c'est que cela va déclencher des problèmes digestifs au même titre lorsque des animaux mangent de la neige. Il ne faut pas donner des boissons très froides pour les mêmes raisons que précédemment, pour éviter des troubles digestifs, mais donner une eau à température, bon, pas ambiante, parce que sinon elle va être trop chaude, mais légèrement réfrigérée. Le tout, c'est que ça soit de façon abondante et en accès libre en permanence, que ça soit un chien en intérieur ou en extérieur. Pareil pour le chat, bien évidemment.